L'art, d'abord, c'est quelque chose de très primordial pour la santé. Ça génère bien sûr la santé. Et donc, de tout cela, je crois qu'on en profite beaucoup. Une fois, il y a les plantes par-ci, par-là, on en profite beaucoup. Il y a de la fraîcheur auquel l'homme a besoin surtout. Auquel l'homme a besoin surtout pour la santé donc, du corps et tout ceci, cela. La journée donc, auquel, je dirais, aujourd'hui, on est en train de fêter 40 ans, voilà. 40 ans, je crois que c'est de très, très important. Et donc, cette fête permet toujours de remettre encore en mémoire l'importance de l'arbre. Et encore, ça permet d'amener encore motiver plusieurs personnes pour pouvoir comprendre que l'arbre, en fait, c'est quelque chose où à ne pas rejeter. L'arbre, déjà, ça constitue déjà la beauté de l'environnement, je crois. Et il y a les anciens qui disent que les arbres provoquent, je ne sais pas trop, la pluie, bien quoi, un truc du genre. Ils ont l'habitude de dire que les arbres attirent la pluie, je ne sais pas trop. Mais c'est quand même important pour la société. À travers l'arbre, nous avons des bois. Ces bois qui nous permettent de fabriquer les meubles. À travers l'arbre, nous avons les plantes médicinales. À travers l'arbre, ou bien je dirais que l'arbre permet de lutter contre les érosions. Le plus important n'est pas de mettre les plants en terre, mais de suivre ces plants qui ont été plantés. Mais je crois qu'après le 1er juin, là, nous ne respectons pas cela. La célébration, ça a donné quelque chose d'important parce qu'au moment, on voit que les zones qui étaient auparavant désertées, maintenant, du fait qu'on a commencé par planter les arbres, célébrer la journée, tout est devenu intact, quoi. L'espace vert. On a pu, on a pu résoudre certains problèmes de trucs parce qu'on sait déjà que les arbres participent aux trucs, là, et à l'équilibre de la nature. Moi, je ne pense pas qu'en 40 ans, on ait fait quelque chose de aussi grandiose. C'est vrai que le président, tout cela, ça se fait soin. Mais normalement, comme un de nos docteurs l'avait dit, pour la journée de l'arbre, toute personne doit mettre au moins un pied au sol. Mais ça ne se fait pas. Et de plus en plus, on voit que les forêts disparaissent. Or, on avait 40 ans. Normalement, en 40 ans, c'est que peu importe comment on utilise les arbres, peu importe comment la gestion est faite, normalement on devait avoir assez d'arbres. Une personne, même 5 personnes par groupe mettaient un pied d'arbre. Je pense qu'on ne devait pas avoir de problème au niveau des arbres. Donc 50, 40 ans plutôt, bon, il reste encore à faire. Il faut les fois venir, il faut revoir comment faire pour que ce soit une fête vraiment dédiée aux arbres. Et non simplement une journée qui sera fériée pour les élèves.